Anzeles. 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 Donc on reprend le premier orateur cet après-midi, Charles Bordenave, qui parle de normalité asymptotique, de vecteurs propres, de graphes réguliers aléatoires. Merci. Donc je vais vous parler d'un travail très remarquable de ces deux auteurs, donc Agnès Backhaus et Balázs Jegedy, qui sont deux Hongrois. Et c'est des maths très hongroises, vous verrez. Donc ça, on va parler de graphes et de spectres de graphes. Et ils ont une approche très originale qui utilise des idées de théorie de l'information et de convergence locale des graphes pour décrire l'asymptotique des vecteurs propres de graphes aléatoires. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc l'objectif est d'essayer de comprendre à quoi ressemble le vecteur propre d'un graphe, d'un grand graphe. Ici, le graphe va être aléatoire. Et on va observer que les vecteurs propres de ces grands graphes ont des statistiques, leurs marginales sont approximativement gaussiennes lorsque la taille du graphe tend vers l'infini. Donc déjà, ça va prendre un certain temps de formaliser un énoncé qui décrit ce que je viens de dire, et ensuite, évidemment, un certain temps pour le démontrer. Voilà. Donc, oui. Donc il y a un parallèle à tirer avec les matrices aléatoires, qui est que bon, pour les matrices, lorsque vous prenez une matrice aléatoire, par exemple, avec des entrées gaussiennes, une matrice gaussienne, hermitienne, donc les entrées sont gaussiennes, indépendantes, au-dessus de la diagonale, alors il est très facile de voir que si vous prenez un vecteur propre associé à cette matrice, lorsque la dimension de la matrice tend vers l'infini, le vecteur propre, ses coordonnées convergent vers des gaussiennes. Mais ce phénomène-là, il est beaucoup plus général que dans les classes de ces matrices aléatoires. Et je pense que c'est le premier papier qui va démontrer qu'un phénomène comme ça a lieu dans un cadre où là, il y a quand même une géométrie très forte qui va être celle d'un graphe régulier. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un graphe? Un graphe, ça va être par exemple ça, là. Hop. Donc là, je suis en train de faire... Donc un graphe, c'est un des sommets. Alors les sommets, on va les appeler V. Donc mes sommets, ça va être les n premiers entiers. Donc il y a des arêtes qui sont des paires de sommets qui relient les sommets. Donc ça, c'est par exemple, c'est le graphe de Petersen. Il a la particularité qu'il est 3 régulier, c'est-à-dire que le degré de chaque sommet vaut d, ici 3, pour tous les sommets. D'accord ? Donc le degré, c'est le nombre d'arêtes adjacentes à un sommet. Ok ? Donc on va s'intéresser à... L'objet qui va nous intéresser, c'est de regarder des graphes avec n sommets, c'est l'ensemble des graphes avec n sommets, dont l'ensemble de sommets, c'est les n premiers entiers, et des réguliers. D'accord? Et donc, voilà. Donc, une fois qu'on a un graphe, il y a plein d'opérateurs, de matrices que l'on peut construire. Le plus simple d'entre eux, c'est l'opérateur de la matrice d'adjacence. Donc vous prenez une fonction f qui est dans L2 de V. Donc ici, c'est juste R puissance n. Et donc c'est A de f de x qui est la somme sur tous les voisins y dans x. Donc ça veut dire que yx est une arête du graphe. D'accord? De f de y. Donc ça, c'est la matrice d'adjacence. Elle est symétrique. Et on va s'intéresser à ces valeurs propres et ces vecteurs propres. En fait, on va plutôt s'intéresser à quelque chose qu'on va appeler les quasi-vecteurs propres. Donc un vecteur f non nul dans L2 de V est un quasi-vecteur propre. On va mettre un delta. Est un delta, et donc delta c'est un nombre positif. Ou nul, est un delta quasi-vecteur propre, je vais peut-être faire ça comme ça, de valeur propre lambda, si à delta près, il vérifie l'équation de vecteur propre, c'est-à-dire si la norme de A f moins lambda f, donc c'est ça, avec le petit 2 là, ce sera toujours la norme euclidienne, plus petit que delta fois la norme. D'accord? Donc on veut comprendre, le but ça va être de comprendre
Donc D, l'entier D va être fixé à tout jamais, plus grand que 3. On va prendre un graphe qui va être distribué uniformément sur cet ensemble-là. Et pour qu'il soit non vide, il faut que ND soit pair et que D soit plus petit que N-1. Donc on va prendre on fixe D à tout jamais, 3. On va prendre un graphe uniformément distribué sur cet ensemble-là. On va faire tendre N vers l'infini. Et on va se demander à quoi ressemble un quasi-vecteur propre où on va prendre un delta qui devient petit, de plus en plus petit, lorsque la taille des graphes tend vers l'infini. Il y a un vecteur propre trivial, vu que mon graphe est dérégulier. Si vous l'appliquez au vecteur constant, si votre graphe il est bien fini, ça c'est bien dans L2V, c'est que le vecteur constant est vecteur propre associé à la valeur propre d. D'accord ? Donc on va prendre un vecteur f qui sera toujours orthogonal au vecteur constant. Une première version du théorème de Backhaus et Jegedi, on va regarder qu'est-ce que c'est que la distribution d'un vecteur. Donc on prend donc toujours V 1 sur N, les N premiers entiers. Donc on prend un vecteur F et on va associer une mesure de probabilité sur R qui va être la loi d'une entrée typique de F. Donc on peut l'écrire formellement comme ça. La distribution de F, c'est défini comme étant 1 sur N fois la somme sur les x dans V, peut-être qu'on peut mettre comme ça, d'une masse de Dirac en f de x. Donc si vous voulez, c'est la loi de f de O, où O est uniformément distribué sur V. D'accord ? Donc c'est la loi d'une entrée typique. Donc par exemple, la norme, le moment de cette variable, si vous regardez le module au carré, pardon, de f de 0 au carré, ça va correspondre à 1 sur cardinal de V fois la norme de f au carré. OK. Donc, la première version du théorème, ça va être de dire que cette distribution-là, proprement normalisée, est proche d'une loi gaussienne. Donc ça, c'est une loi de proba. C'est une loi de probabilité dans R. Donc on va mesurer, je pense que tous les beaux théorèmes commencent par une arnaque. Là, la première arnaque, c'est l'arnaque fondamentale du papier, mais qui est celle qui fait que tout marche. C'est qu'on va définir qu'est-ce que c'est qu'être proche d'un vecteur normal et d'un vecteur gaussien. Donc on va définir la gaussianité ou la normalité, peut-être c'est plus joli. Donc on prend donc le cardinal de V vaut n. D'accord ? Donc on s'intéresse à la distribution de racine carrée de n de f divisé par la norme de f. D'accord ? Donc ça c'est une variable qui est de moment d'ordre qui est de variance 1. D'accord ? On prend f aussi qui est orthogonal au vecteur constant. OK ? Donc ça veut dire que f, la distribution est centrée et elle est de variance 1 grâce à cette renormalisation. Donc c'est cette distribution qui est invariante par la taille du graphe n. Donc on va mesurer sa distance. Alors là, j'aurais peut-être pas assez de place. Je vais la translater. On va définir la normalité de f, donc c'est la première définition importante, comme étant l'inf sur toutes les variances entre 0 et 1, enfin tous les nombres entre 0 et 1, vous prenez une distance, je vais vous dire ce que c'est, mais ce n'est pas très important, de la distance donc, entre ce vecteur, cette entrée typique renormalisée, et une gaussienne centrée de variance sigma 2. Et qu'est-ce que c'est que DL ? C'est la distance de Lévy, Prohorov, où vous prenez n'importe quelle distance qui engendre la topologie de la convergence faible et vous obtenez cette notion de normalité. Alors où est l'arnaque ? C'est que ça, c'est de variance 1, mais vous le comparez à des gaussiennes qui peuvent être de variance
aussi proche de 0 que vous voulez. Ah oui, et on définit n0, 0 comme étant la variable aléatoire nulle. Alors je pense que c'est celui-là. Donc par exemple, si vous prenez le vecteur, si vous prenez le vecteur de la base canonique E1, sa distribution de racine carrée de f sur norme de f, 2, ça vaut 1 sur n fois delta de racine carrée de n, plus n1 moins 1 sur n, fois un Dirac en 0. D'accord ? Donc ça, ça converge. Cet objet-là, il converge lorsque n tend vers l'infini, vers le Dirac en 0, qui est la loi gaussienne n0, 0. D'accord ? Donc ce vecteur-là, qui est extrêmement localisé, il est gaussien pour Bakao chez Geghetti. D'accord ? Donc il est gaussien, en sens que c'est un vecteur gaussien, mais il a perdu toute sa masse à l'infini. Et donc on ne voit plus qu'un vecteur nul. Quelque chose qui serait plus intuitivement gaussien, c'est vous prenez par exemple, vous regardez la loi gaussienne, vous faites des quantiles de telle manière à ce que ça, c'est de probabilité 1 sur n. Vous prenez un point au milieu, vous appelez, donc vous prenez n points, vous les appelez t indice x, et vous pourriez faire f qui vaut somme des t de x, e x. Voilà. Donc ça, ça va être la norme f2 de ça. Ça va être à peu près racine carrée de n. Et la distribution de ça, elle va être proche de ce vecteur-là. Elle va être proche, lorsque n tend vers l'infini, d'une gaussienne standard. OK ? Vous prenez aussi, je ne sais pas, somme des gamma x, ex, où les gamma x, donc un vecteur aléatoire, où les gamma x, c'est des gaussiennes indépendantes. Là, vous obtenez un vecteur aléatoire qui est aussi proche de la loi n01. Okay ? Donc ça, c'est des vecteurs qui sont intuitivement proprement gaussiens parce qu'il n'y a pas de perte de masse. Mais dans la définition de Bakao chez Geghetti, D2F, là, vous autorisez à vous dites que la partie macroscopique de D2F tend vers 0, lorsque n tend vers l'infini, ça veut dire que la partie macroscopique de la masse a des statistiques qui sont approximativement gaussiennes. Voilà, donc c'est un point très important. Et donc leur premier théorème, qui est la version pour les nuls de leur théorème principal, mais bon, vaut mieux commencer par celui-là, il dit que si donc D est fixé tout jamais, vous prenez un epsilon positif, vous faites G, un graphe aléatoire de loi GN, la mesure uniforme sur GND, ok, voilà, avec probabilité au moins 1 moins epsilon, voilà, soit epsilon, ah oui, il existe un M tel que si N est supérieur ou égal à M, avec proba 1 moins epsilon, au moins un moins epsilon, l'événement suivant a lieu. Pour toute fonction f qui est orthogonale à 1, qui est f, ah oui, et delta, f delta quasi vecteur propre, d de f est plus petit que epsilon. Cet événement-là a probabilité un moins epsilon dès que n est suffisamment, un moins epsilon dès que n est suffisamment grand. OK. Donc à nouveau, ça veut dire que à une perte de masse près, donc soit il y a une partie d'un presque vecteur propre qui peut avoir une masse qui se concentre sur un nombre microscopique de dont la masse L2 se concentre sur un nombre microscopique de sommets, mais tout le reste va avoir des marginales, va ressembler à une gaussienne. Sur la valence. Ah oui, en fait, D est un nombre fixé à tout jamais. Tout dépend de D.
M, delta, tout va dépendre de D. Mais vu que je ne vais jamais bouger D, je le fixe et pour l'exposer, c'est 3 par exemple. D'accord ? Alors, en fait, ils font beaucoup plus fort. C'est-à-dire qu'en fait, ils arrivent à décrire à nouveau cette partie du vecteur propre qui ne va pas, du delta vecteur propre, qui ne va pas potentiellement se localiser sur peu de sites. Ils arrivent à décrire complètement. On va voir une façon de. On va montrer que la partie du vecteur propre qui est complètement délocalisée va ressembler à une onde gaussienne que l'on va définir sur l'arbre D infini régulier. Ça va être la suite de l'exposé, mais je voulais quand même énoncer une conjecture, qui je pense est la conjecture qui a motivé Bakaj chez Zeghedi, qui est la suivante, c'est que si sous cette même énoncé, c'est que cet énoncé-là est censé être vrai, vous prenez n'importe quel vecteur propre, donc pas avec quasi-vecteur propre, mais vecteur propre, c'est la distance. Ces statistiques sont proches d'une gaussienne, il n'y a pas de perte de masse. D'une gaussienne centrée réduite. D'accord. Donc ça veut dire que le phénomène de perte de masse n'a pas lieu. Alors cette conjecture est fausse si vous mettez un delta quasi-vecteur propre. Il est assez facile de construire des quasi-vecteurs propres qui sont arbitrairement localisés. Et voilà. Donc là, il faut vraiment mettre un vecteur propre, c'est-à-dire delta égale 0. Non, c'était long. Enfin, ça reste une conjecture. Donc, maintenant, donc voilà, c'est là l'arnaque, c'est qu'à une perte de masse de près, qu'on ne va jamais chercher à contrôler, il y a cette gaussianité des statistiques des entrées d'un vecteur propre ou d'un quasi-vecteur propre. Alors, donc j'ai parlé d'ondes aléatoires. Donc, on va essayer de construire d'abord qu'est-ce que c'est qu'un processus. Alors, monter, c'est quoi ? Ah, c'est celui-là. Alors, TD, là, dans toute la suite, ça va être l'arbre D régulier infini. Bon, c'est un graphe de Kélé du groupe libre, peu importe. Ça va être ce graphe-là. C'est commode d'utiliser une notation généalogique. Donc si D égale 3, donc là il y a un sommet qui est l'ensemble vide. Il a 3 enfants, 1, 2, 3, et 1 a des enfants qui sont notés 1, 1, 1, 2, 2 a 2 enfants, 2, 1, 2, 3, etc. Ok. Donc sur cette... on va dire qu'on va regarder... Donc on munit R puissance TD, bon là je devrais noter R puissance VD. Mais bon, pour pas vous, on va noter. Donc une variable, donc on munit R puissance VD de la topologie produit, on va dire que Y, une variable aléatoire donc dans R puissance VD, est invariante. Donc là il y avait quelques définitions. Si sa loi est invariante par tous les automorphismes de l'arbre. Si la loi de... si Y rond phi a même loi que Y pour tout phi qui est un automorphisme de l'arbre. D'accord, donc... donc je vais passer en permanence d'un... Je vais voir un Y... Enfin, je vais voir un... je vois les fonctions comme des fonctions, donc je peux faire des compositions. Donc cette loi, elle est invariante, elle va être... On va dire que cette variable aléatoire, il est standard si il est centré. Et il est de variance 1 en chaque site. Quoi d'autre ? On va dire que c'est une onde... S'il vérifie l'équation de vecteur propre pour l'opérateur d'adjacence sur l'arbre des réguliers infinis. Si A
Donc là, c'est l'opérateur d'adjacence sur l'arbre infini, sur l'arbre des réguliers. Si AY est égal à Y, presque sûrement. Lambda Y, presque sûrement. Donc attention, Y n'est pas nécessairement un élément de L2, de VD. D'accord ? Mais il peut, c'est un vecteur propre généralisé. Et lambda, évidemment, c'est la valeur propre associée. Et il est gaussien si c'est un vecteur gaussien, c'est-à-dire si ses marginales finidimensionnelles sont gaussiennes. OK. Donc, il a été démontré, c'est pas très dur, que... je crois que le premier à l'avoir démontré est Elon. La construction est pas assez triviale, enfin, pas difficile du moins, que... le spectre... Donc on a l'opérateur d'adjacence sur l'arbre. Il a un spectre. Donc je noterai juste sigma TD qui a été qui vaut comme un petit calcul donne c'est l'intervalle moins 2 racine carrée de D moins 1, 2 racine carrée de D moins 1. Bon, ça a au moins été démontré par Kesten en 59, peut-être. C'était peut-être antérieur. Donc Elon a montré que pour tout lambda, si vous prenez toute valeur propre dans le spectre, enfin tout lambda dans le spectre de l'arbre, il existe une unique onde gaussienne, bon, c'est-à-dire la loi est unique, il existe une unique onde gaussienne standard invariante. Ok, donc maintenant je l'appellerai juste onde gaussienne et j'oublierai systématiquement le standard invariant. D'accord ? Donc, si vous voulez, c'est une valeur propre qui a cette propriété magique. C'est une onde, donc c'est une valeur propre généralisée qui est gaussienne. Voilà. Et elle a toutes les invariances que vous souhaitez. Donc, le résultat complet, donc pas pour les nuls, qui était celui-là, de Bakash et Zeghedi, va être de dire en fait que tout quasi-vecteur propre est proche de l'onde gaussienne. OK ? Alors, comment est-ce qu'on énonce ça ? Donc, il faut associer à un vecteur dans un vecteur sur le graphe fini, il faut lui associer une variable aléatoire, définie sur l'arbre, et ensuite comparer leur loi grâce à la distance de Lévi-Prohorov. Donc ça se fait naturellement à partir de quelque chose que les géomètres connaissent bien, les revêtements. Donc l'analogue en théorie des graphes est la suivante. Donc un revêtement, pour nous, ça va être une fonction... oui, phi, c'est bien. Non, pi. Ça va être une fonction de TD dans G, okay, qui va être localement un homéomorphisme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous regardez... si vous avez, par exemple, je sais pas moi, I, J, K, L... dans TD, vous regardez son image par phi, et ça va vous donner, donc ça va vous envoyer sur phi de i, et phi de i a ses trois voisins qui sont phi de k, donc les voisins sont envoyés sur les voisins, de façon... Ok, donc c'est un homéomorphisme, c'est localement un homéomorphisme, une bijection. Ok, donc ça s'appelle un... pi, pardon. Ça s'appelle un revêtement. Tout graphe dérégulier pour tout graphe dérégulier, il existe des revêtements de TD dans G. Ça, c'est pas dur. Mais il y en a un. On va en prendre un. Donc l'ensemble des revêtements d'un graphe, admet une mesure naturelle qui est. Il existe. On va regarder pi, un revêtement aléatoire. Et l'aléa sur ce revêtement. Il est déterminé uniquement par ces deux propriétés, c'est que pi de la racine de l'arbre a une loi uniforme, mon graphe il est fini, sur les sommets du graphe, d'accord ? Et la deuxième propriété, c'est que la loi de pi est invariante par les... tous les automorphismes de l'arbre. Bon.
Donc c'est un revêtement aléatoire tiré uniformément au hasard, en un sens assez précis. Et si G est connexe, vous pouvez oublier cette propriété. C'est juste la seconde propriété suit. Donc maintenant, ce revêtement aléatoire nous donne une façon de regarder un vecteur F défini dans G va nous donner une façon d'associer une fonction, une variable aléatoire définie dans TD de la façon suivante. Donc on va prendre F dans R puissance N. Donc je vous rappelle V c'est... OK. Et on va associer la distribution... Alors dans G de F, donc c'est la distribution d'un vecteur défini sur un graphe, donc ça dépend du graphe maintenant, comme étant la loi de pi rond F. De F rond pi, ça a plus de sens. OK. Donc ça, c'est une probabilité dans R puissance les... Donc, je vous laisse une seconde pour méditer sur cette définition. Donc c'est plus général que distribution G de F, parce que par exemple, distribution de F, ce qu'on avait sans le G, c'est juste la loi de la racine. D'accord ? Mais là, vous regardez la loi de toutes les... À quoi ressemble votre vecteur en prenant en compte le voisinage du graphe. Donc c'est une information beaucoup plus riche. Et l'idée de regarder un vecteur défini sur un graphe comme une variable aléatoire, donc le vecteur est déterministe, mais de regarder ce vecteur déterministe comme étant une fonction aléatoire ou une variable aléatoire définie sur un objet infini, l'idée est une idée qui vient de au moins de Benjamini et Schramm. Qui est adapté ici au cadre des graphes déréguliers. Voilà. Donc c'est ça cette idée de théorie. Donc maintenant que à chaque fonction f dans Rn, on peut associer une variable aléatoire dans TD. Cette distribution, à cause de cette propriété, elle est invariante. Parce que elle hérite vu que le revêtement a une loi qui est invariante par les automorphismes de l'arbre. La distribution dans G de F va être aussi invariante par les automorphismes de l'arbre. Alors, c'est le moment de redescendre des tableaux. Je vais tenter celui-là. Ah non, c'était une erreur. Je vais tenter celui-là. Donc maintenant, on peut énoncer le théorème de... Le théorème général de Bakaushi-Jegedi. Donc, on va définir la normalité, la proximité à un vecteur, à une onde gaussienne, en faisant la même arnaque, c'est-à-dire en autorisant la possibilité d'une perte de masse. Et le même énoncé va. Et après, ensuite, on ne va pas changer l'énoncé, ça va être exactement le même. Ah, en fait, j'aurais dû descendre celui-là. Alors, attendez. Monter. Ouais, donc on va juste changer très peu de choses. On va définir... Donc, on va dire Y lambda, c'est l'onde gaussienne de valeur propre lambda. D'accord. Et on va définir la normalité la proximité d'un vecteur à une onde gaussienne comme étant donc là ça dépend de G et de F, qui est l'inf, donc sur tous les sigma dans 0,1. Donc on rajoute, sur toutes les valeurs propres possibles dans l'intervalle de moins 2 racine de D moins 1, 2 racine de D moins 1, de la distance de Lévi-Prohorov entre la distribution G de F, donc il faut refaire la même renormalisation, et
Eh bien, une loi, la loi de sigma fois y lambda. D'accord ? Et donc l'énoncé principal de Bakash-Uzeghedi, c'est celui-là. C'est-à-dire que non seulement les marginales sont asymptotiquement gaussiennes, mais en fait, même les statistiques locales de votre vecteur gaussien, de votre delta quasi-vecteur propre, la partie qui n'est pas localisée, elle devient asymptotiquement proche d'une onde gaussienne. Voilà. Alors, en fait, la première étape de la preuve de ce théorème, c'est de se base sur une notion qui est très intéressante, qui a déjà été utilisée et étudiée par plusieurs Hongrois, dont Bakaos et Uzeghedi, qui est cette notion de processus typique. Donc on va réénoncer donc ce théorème, je ne sais pas comment on peut l'appeler, théorème 1. Je vais vous donner un théorème 2 qui implique le théorème 1. Et en fait, tout le travail va être de démontrer ce théorème 2, comme vous pouvez vous en douter. Mais la notion de processus typique, processus c'est un synonyme pour variable aléatoire ici, la notion de processus typique, elle est intéressante et elle va bien au-delà des valeurs propres, des ondes aléatoires et tout ça. Donc qu'est-ce que c'est qu'un processus typique ? Alors, vous prenez y, une variable aléatoire, pour nous, on travaille sur l'arbre des réguliers infinis. D'accord ? Coefficient réel. On va dire qu'elle est typique, cette variable aléatoire, si on peut l'approcher, par une fonction définie sur un graphe fini. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Processus typique est typique. Donc pareil, il y a quelques quantificateurs. Si, quel que soit epsilon, quel que soit m, il existe n plus grand que m, tel que si g est uniforme sur tous les graphes à n sommets déréguliers, donc ça c'est sa loi, alors avec proba 1 moins epsilon, il existe, l'événement suivant a lieu, il existe une fonction f dans r puissance n, telle que, donc non nulle, telle que la distribution de votre vecteur défini sur le graphe est proche, et epsilon proche, de la loi de votre processus Y. D'accord ? Donc avec des mots, ça veut dire qu'il existe une suite croissante de graphes déréguliers, donc c'est ces nombres n, là, tels que, avec une grande probabilité, en fait, là vous pourriez mettre 1,5, 1 moins epsilon, c'est pas très important, avec une certaine probabilité pas négligeable, vous pouvez construire un vecteur propre, un vecteur qui est proche du vecteur Y. Donc ça, ça a l'air de rien, cette définition, mais voilà. Elle est assez profonde. En particulier, il n'existe pas de caractérisation des processus typiques. À part, j'y viendrai plus tard. Et donc, ce qu'ils ont démontré, l'analogue de... D'abord, un théorème qui n'est pas très dur à démontrer, qui se fait à peu près en même temps qu'on construit l'onde gaussienne, on peut démontrer ce théorème de Arangui et Virag, qui dit que l'onde gaussienne est typique. L'onde gaussienne de valeur propre lambda, le grand théorème de Bakaos et de Uzeghedi est de dire que
La réciproque est vraie. Donc ça sera le théorème 2 qui dit que, donc pour tout lambda, je ne vais pas le recopier, hein. Qu'est-ce qu'il dit? Si Y est un processus, est une onde typique standard, bon, je l'écris quand même, de valeur propre lambda dans l'intervalle de Kesten, alors Y est l'onde gaussienne. Voilà, donc ça c'est leur grand théorème. L'avantage c'est que c'est un énoncé directement sur des propriétés de processus définis sur l'objet limite, l'arbre. Il n'y a plus de graphe là. Évidemment, la notion de graphe, le graphe il est caché dans la définition typique, mais malgré tout. Ah oui, et typique, évidemment, vu que ça c'est invariant, typique implique invariant. Ok. Donc maintenant, ah oui, peut-être, donc le fait que le théorème 2 implique le théorème 1 n'est pas trivial et se base sur le fait déjà qu'il n'existe pas de vecteur propre orthogonal à 1, que tous les vecteurs propres, que toutes les vecteurs, bon, je vais l'écrire, ça ira plus vite, un théorème de Friedman. Donc il y a deux ingrédients. Le premier, c'est un théorème de Friedman qui était pendant longtemps une conjecture d'Allon, qui a été démontré en 2008, qui dit la chose suivante, donc D est fixé, je vais l'écrire un peu à la main, que la norme, si G, donc vous prenez un graphe uniforme des réguliers à N sommets, dans l'asymptotique où N est grand, vous regardez la norme de F, que ça c'est plus petit que 2 racine carrée de D moins 1 plus un petit taux de 1 fois... que ça, c'est vrai pour toute fonction f qui est orthogonale au vecteur propre, au vecteur trivial. Donc, donc cet événement-là, pour tout epsilon, cet événement-là, il existe pour tout n suffisamment grand, cet événement-là a probabilité au moins 1 moins epsilon. Bon, là, vous mettez un epsilon à la place du petit taux de 1. Donc ça, c'est le premier ingrédient qui vous dit qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de quasi-vecteur propre qui ne soit pas associé à des valeurs propres qui sont dans l'intervalle de Kesten, celui-là. Et le deuxième ingrédient, c'est un résultat de concentration de la mesure qui n'est pas évident, que j'ai mis personnellement du temps à comprendre, qui vous dit que, qui va impliquer que dès que vous voyez un événement, que si vous voyez quelque chose avec probabilité au moins epsilon, alors en fait vous le voyez toujours avec probabilité en fait, au moins 1 moins epsilon. C'est un phénomène de concentration de la mesure qui vous dit que si quelque chose est un peu probable, alors il est super probable. Bon, c'est un peu vague, mais vous pouvez regarder mes notes. Je pense que c'est mieux expliqué que dans leur papier. Enfin, j'ai beaucoup souffert à comprendre leur argument, c'est pour ça que je dis ça. Alors, mais le vrai théorème, donc, c'est celui-là, le théorème 2. Le théorème 2. Donc ça, je vais le remonter. Comme ça, il est gravé dans le marbre. Je vais descendre ce truc-là. C'est un super... Donc, je vais décrire la stratégie de la preuve. Donc, elle est, vraiment très originale. Donc, elle est basée sur... donc là, on a vu là, l'aspect théorie limite des graphes de l'énoncé. C'est-à-dire qu'en fait, on va... de la stratégie de Baclauch et Jegedy, c'est-à-dire qu'on va d'abord transférer ce problème-là comme étant un problème sur des processus sur l'objet limite. Donc, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, ça va être d'utiliser les outils de théorie de l'information pour résoudre, pour répondre, pour prouver ce théorème 2. Alors, il nous faut une entropie. Donc, qu'est-ce que c'est que l'entropie? Donc, vous prenez un espace mesuré avec une mesure lambda. Vous prenez Y, une variable aléatoire dans E. Et l'entropie de Y, bon, donc elle dépend de E et de lambda, bon, il ne faudrait pas mettre Y, mais de la loi de Y, mais bon, c'est traditionnel de noter juste comme ça. Ça n'est pas une variable aléatoire, c'est un nombre, donc. L'entropie de Y, c'est donc moins
Ah oui, donc telle que la loi de mu, la y de loi mu, qui admet une dérivée de Radon-Nikodyme par rapport à lambda, disons f. La loi de mu, c'est moins l'intégrale de f log f des lambda. Donc ça, c'est l'entropie. Donc elle dépend de E, de lambda, mais bon, souvent... OK. Donc si par exemple E est dénombrable et lambda, c'est la mesure de comptage, c'est l'entropie de Shannon. Donc si... Si Y est une variable aléatoire dans RK, d'accord, on va définir une entropie qui est un peu... on va définir une entropie renormalisée, donc il appelle ça, dans les notes, ça s'appelle l'entropie support, là. Mais j'enlève le support parce que je mets juste un petit h, qui va être l'entropie telle qu'elle est définie au-dessus de E de Y, où E, c'est l'espace vectoriel engendré par le support de la loi de mu. OK ? La raison pour laquelle on fait ça, c'est que, ben, par exemple, si on regarde, si vous avez un vecteur propre d égale 3, donc vous regardez la marginale de ce vecteur propre sur ces 4 points. Si vous connaissez la valeur à cause de l'équation de vecteur propre, ça vit dans l'ensemble des fonctions propres qui vérifient l'équation de vecteur propre, c'est 3-dimensionnel et pas 4-dimensionnel. Donc on a besoin de regarder, ah oui, et on met cette, sur cet espace vectoriel-là, on lui met la mesure de Lebesgue associée. OK. Donc ça, c'est l'entropie renormalisée par la dimension de la variable qu'on considère, en fait. Et on va dire que Y est lisse, ben, si elle est C infini, si sa densité est C infini sur E. Alors, par un argument de convolution, en fait, le théorème 2, là, si j'étais assez grand, je pourrais l'écrire, mais je ne peux pas. Il suffit de démontrer que cet énoncé-là est vrai pour toutes les ondes typiques standard lisses. Bon, je passe sur ce détail technique, c'est pas là que des choses importantes se jouent. Donc une fois qu'on a cette définition, on introduit une entropie invariante. Bon, c'est moi qui l'appelle comme ça. Je ne sais pas si le terme est bien joué. Eh bien, quand je vais noter... Ah, il y avait déjà des D, bon, c'est pas... que je note D de Y. OK, donc je prends toujours... J'ai un processus, maintenant, je prends Y, un processus dans R puissance TD, VD. Donc je regarde mon processus sur mon arbre infini, qui est une onde. D'accord ? Donc l'entropie invariante de l'onde, je vais la définir comme l'entropie, renormalisée par son support, hein, de Y restreinte à, je vais noter, étoile, c'est-à-dire la marginale sur donc l'ensemble étoile, c'est l'ensemble, c'est la racine et les sommets auxquels ils sont connectés, d'accord ? Moins D sur 2 fois l'entropie d'une arête. Je vais noter comme ça, pour que vous vous souveniez. Et donc ça, cet ensemble-là, c'est juste 0, 1. OK ? Donc si vous faites ça, cette entropie, elle est invariante par échelle. C'est-à-dire l'entropie invariante de θy, si θ est positif, c'est la même chose que l'entropie de y. Par un petit calcul de jacobien. Voilà. Et c'est ce nombre-là sur lequel se base toute la stratégie anthropique de la preuve de Bacow chez Jegedi. Donc je pense qu'il fallait... Il ne lui donne pas un nom, c'est dommage. Bon, j'ai proposé l'entropie invariante. Je ne sais pas si c'est... Alors, il y a deux... On va démontrer deux résultats sur... Je vais vous énoncer deux résultats sur cette entropie invariante. Et les deux résultats impliquent le théorème 2. Dans quel ordre ? Ah oui, le premier... C'est que si Y est typique, donc c'est une onde typique, donc de valeur propre lambda, toujours dans le même intervalle, alors l'entropie invariante
et positive. Non, pardon, c'est pas du tout ça. Et supérieure à celle de la gaussienne. Ah oui, excusez-moi, il faut que je mette plus de notation, c'est bien ça. Ouais. Où x, c'est l'onde gaussienne de même valeur propre. Donc là, il faut rajouter lisse. D'accord ? C'est-à-dire que l'entropie invariante, tous les processus typiques, toutes les ondes typiques, ont au moins une entropie invariante qui est supérieure à celle de la gaussienne. Et le cas d'égalité, si égalité, alors Y est 2 markovien. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, j'aime pas trop ce terme, mais c'est le terme qu'ils utilisent. C'est une propriété de Markov spatiale qui veut juste dire que si vous regardez, donc il y a là c'est. Donc là, c'est, je représente TD, là, tous les sommets de l'arbre des réguliers infinis. Si vous regardez la variable aléatoire partout là-dedans, c'est conditionnellement indépendant de ce qui se passe là. C'est indépendant conditionnellement à cette valeur-là et cette valeur-là. Donc conditionnel, si vous gelez la valeur d'une arête, tout ce qu'il y a de part et d'autre des deux arêtes est indépendant. Donc deux markoviens, parce qu'il y a deux, vous gelez deux variables. D'accord ? Donc ça, c'est le premier énoncé. C'est le plus. C'est celui sur lequel, si j'ai le temps, j'insisterai. Enfin, je vais essayer de vous expliquer un peu la preuve. Et le deuxième. Oui. C'est de dire que parmi toutes les ondes invariantes standard, la gaussienne, la longue gaussienne maximise l'entropie invariante. Donc si Y est. Une onde typique lisse, non, invariante justement. Alors, d de y est plus petit que d de x, où x c'est la même chose que ça. Donc ça c'est l'analogue du fait que vous savez sûrement, je pense que c'est Boltzmann, que la loi gaussienne centrée, la loi N01, et celle qui maximise l'entropie parmi toutes les variables aléatoires centrées sur R de variance 1. Donc ça, c'est l'analogue. C'est-à-dire que l'entropie, si vous achetez que D de Y est bien une entropie, ce théorème vous dit que la loi gaussienne maximise l'entropie. Bon, ça, c'est pas choquant. Et c'est un calcul un peu subtil, mais c'est un calcul. Et ça n'utilise pas cette notion de typicité. Par contre, là où vous utilisez la propriété de typicité, c'est dans ce théorème-là. Donc, ah oui, et le cas d'égalité. Si égalité, les marginales sur les marginales coïncident sur le 1 voisinage. Alors pourquoi est-ce que le théorème A plus le théorème B implique le théorème 2? C'est parce que si vous avez, donc en cas d'égalité, vous avez les mêmes marginales et vous êtes deux markoviens. Mais la loi de Markov, si vous êtes deux markoviens, la loi est déterminée par la loi d'un 1 voisinage. Okay, donc ça conclut la preuve si on achète ces deux théorèmes. On va oublier le théorème B. Alors là, je vais me planter, je sens. Ah oui, c'est celui-là de droite. Ah non. Et je vais essayer de vous donner les grandes idées du théorème A. Parce que si vous y avez une chose que vous devez retenir, c'est cette histoire, je pense, de typicité. La preuve est pas si simple. Et elle utilise une voie détournée qui va être de généraliser, donc j'explique l'idée de la preuve du théorème que j'ai appelé, j'ai déjà oublié, A ou B. Ok, donc on va généraliser cette entropie invariante à une entropie qui est sur les 1 voisinage. Une entropie, on prend K un entier
Et on dit que l'entropie invariante d'indice K, donc pareil, Y c'est toujours un processus, une onde de définition en arbre, comme étant la même chose. Mais maintenant, je regarde le K voisinage, je regarde la boule de taille K plus 1. Donc ça, c'est la boule de taille K plus 1. Donc j'ai mon étoile de départ, mon 1 voisinage, et je regarde ensuite à profondeur K. D'accord ? Donc c'est la même chose que B K plus 1. Okay. Moins D sur 2 fois l'entropie, donc je fais la même histoire mais sur les arêtes, et je mets un petit indice K, donc ça c'est l'ensemble, j'ai mon arête et je regarde les K voisinages à gauche et à droite autour de chacun des sommets de mon arête. Donc en fait c'est une analyse de DKY qui va impliquer donc D0Y. C'est mon entropie invariante de départ. Oui. Donc la première chose qui est que je vous ai dit que c'était une entropie, ça. J'ai appelé ça une entropie, mais il faut au moins que ça soit positif ou tout en. Enfin, voilà. Donc la première des choses, c'est de. En fait, c'est le point le plus important. Je ne sais pas comment l'appeler, j'ai trop de noms. Hein. Mais B.1 alors. Non, A.1. Elle dit que pour tout cas, si Y est typique, est standard, bon la moyenne on s'en moque parce qu'à cause de l'invariance, si Y est typique, alors DK de Y est positif. Ok, donc ça c'est une bonne propriété pour être une entropie. Et le deuxième théorème, il est que si X est l'onde gaussienne, alors la limite, lorsque K tend vers l'infini, de D de K de Y, de DK de X vaut 0. Donc en fait, le théorème A et le théorème A1 plus A2, c'est essentiellement, ça donne la conclusion du théorème, l'inégalité du théorème A. Mais à l'infini. Ok ? Alors, c'est pas évident de dire que le théorème A1 plus A2. Enfin, c'est pas évident. C'est pas très dur, hein, implique théorème A. Ça utilise juste ces deux résultats, plus exercice, plus la seule chose que vous devez savoir sur les entropies, c'est que vous, si vous avez trois variables aléatoires, H, T, U, V, l'entropie de T, U, V va être plus petite que l'entropie de T, U. Plus l'entropie de TV, moins l'entropie de T, et avec égalité si et seulement si UV, et les deux sont indépendants conditionnellement à T. Alors si vous connaissez ça, plus vous utilisez la structure récursive de l'arbre, A1 plus, donc le fait que vous connaissez l'énoncé en K égale l'infini, va l'impliquer automatiquement en K égale 0 par une chaîne d'inégalité. Bon, je ne vous en dis pas plus. Mais il n'y a pas plus d'ingrédients que ça. La preuve du théorème A2, en fait, alors, je ne vous ai pas dit grand-chose sur l'onde gaussienne, parce que bon, je n'ai pas beaucoup de temps. Bon, si vous avez un vecteur gaussien, si Z c'est un vecteur dans Rn, ou sigma, donc c'est une matrice définie positive. Alors je ne sais pas si définie positive, j'ai oublié si c'était strictement définie, bon, elle est inversible. À ce moment-là, vous pouvez l'écrire l'entropie de Z, c'est le log de pi en, je crois, de mémoire, fois le déterminant de sigma. Ouais, bon. Donc en fait, si vous connaissez le produit des valeurs propres, ou si vous savez diagonaliser votre covariance, vous connaissez l'entropie. Il se trouve que pour une onde invariante, vous pouvez écrire, donc si sigma c'est défini par, c'est le tableau de nombres,
défini par sigma de xy, ben c'est l'espérance de x indice x, x indice y. D'accord ? Donc c'est la covariance de votre... Donc x, toujours l'onde gaussienne. Hein. C'est la covariance de votre onde gaussienne. Vous pouvez exprimer ça, c'est une fonction explicite qui s'exprime comme étant, je vais l'écrire, la distance qui va dépendre de lambda. Ça va pouvoir s'écrire comme un polynôme en lambda de degré, la distance entre x et y dans l'arbre. Et ces polynômes, c'est essentiellement des polynômes de Tchebyshev, que je ne m'hasarderai pas à écrire, du second espèce. Voilà. Donc en fait, vous connaissez exactement la tête de la fonction de covariance. Donc il n'y a pas de raison autre que la difficulté d'un calcul, bon, qui n'est pas non plus fou, mais de pouvoir démontrer ça. Donc ça, ils le font, il y a peut-être une façon plus conceptuelle, j'ai essayé, je n'ai pas trouvé. Mais en tout cas, ils montrent ça par un calcul, qui est juste, qui part de cette constatation-là, qui est standard. Alors, beaucoup plus novateur est le théorème A1, en 3 minutes. En fait, c'est le cœur de la preuve, et c'est basé sur ces histoires de... Alors, celui-là, il ne bouge pas. Celui-là, on va le faire descendre. En fait, les processus typiques satisfont des inégalités entropiques qui viennent du fait qu'ils sont approximables par des vecteurs finis. Et c'est de là que va venir ce théorème qui est sous le tableau, évidemment. Donc si Y est typique, l'entropie invariante des cas voisinage est positive. Donc en fait, il y a un théorème qui est donc c'est l'inégalité donc qu'ils appellent étoile arête. Donc l'étoile, c'est ça, c'est le invoisinage, et l'arête, c'est le qui dit la chose suivante. Soit, si vous prenez une variable, donc c'est un énoncé discret, soit y, qui est une variable aléatoire dans f puissance vd, où f c'est fini, d'accord, et qui est typique. Bon, la notion typique, je l'ai fait dans le cas de R, mais c'est la même chose si vous prenez des variables dans n'importe quel espace mesuré. Donc vous prenez une fonction sur l'arbre qui est typique, elle est discrète. Alors, elle vérifie cette inégalité entropique qui est que ça est positif. C'est pas trivial. Alors, si c'est vrai pour... Donc ça, en fait, c'est vrai pour tous les cas voisinage, mais le cas k plus grand que 1 est une conséquence. Si vous savez le démontrer pour k égale 0, vous saurez le démontrer pour tout k. Donc parce que vous pouvez encoder le cas voisinage en quitte à changer l'espace F, c'est-à-dire quitte à changer les couleurs, vous avez un nom fini de couleur, quitte à changer les couleurs, vous pouvez encoder le cas voisinage dans un coloriage des 1 voisinages. Bon, c'est une sorte de dribble combinatoire. Enfin, bref, c'est pas très difficile. Donc en fait, dans un premier papier, ils ont démontré l'inégalité étoile-arête pour k égale 0 et d'autres inégalités entropiques. Donc ça, c'est des inégalités entropiques un peu mystérieuses parce qu'on ne sait pas quelles sont l'ensemble des variables, on ne sait pas quelles sont l'ensemble des inégalités entropiques que satisfont des processus typiques, et on ne sait pas caractériser, il y a une conjecture qui traîne, on pense qu'il existe une caractérisation des processus typiques en termes d'une collection de familles, une collection d'inégalités entropiques de ce goût-là. Donc ça, c'est un problème de système dynamique, d'essayer de comprendre un peu cette classe de processus invariants qui est d'un genre nouveau, mais qui est très utile parce que ça vous décrit l'ensemble, vu que par en informatique théorique, vous pouvez comprendre les processus typiques comme étant l'ensemble des processus tels qu'il existe, que vous pouvez approximer par un graphe fini. Donc c'est vraiment l'ensemble des objets qui vous intéressent, si vous voulez savoir... je pense que vous avez compris ce que je voulais dire.
Je l'espère. Voilà, donc j'ai terminé. Donc je vais pas vous. Bon, la preuve en fait de ça, donc c'est essentiellement combinatoire. On compte à la main, parce que depuis. Je vais juste citer un nom. En fait, en 1978, et ça a été refait par Bolobash en 1980, le cardinal de GND, il est connu, enfin il est asymptotiquement connu. Donc il y a une constante qui ne va pas nous intéresser là, bon, qui est exponentielle de d carré moins 1, je crois. Ou 1 moins d carré, non. 1 moins d carré. Là, il y a un d factoriel puissance m. Et là, il y a ensuite un dn moins 1, dn moins 3. Et vous continuez en décroissant de 2 jusqu'à 1. Donc, vous savez, en fait, cette formule, on connaît exactement asymptotiquement le cardinal de GND. Et cette formule, en fait, c'est parce qu'on arrive à compter des graphes déréguliers. Finalement, ce qu'on fait dans cette preuve, c'est qu'on a nos des sommets. Donc là, j'ai d égale 3. Et je vais faire n égale 4. Ce que je peux faire, c'est, si je veux compter GND, ce que je peux faire d'abord, c'est, j'ai mes demi-arêtes, là, je vois ça comme des demi-arêtes, et je veux les apparier de telle manière à faire un graphe. Voilà. OK ? Mais le problème, c'est que parfois, ça ne va pas être un graphe au sens strict, parce que là, j'ai une arête double, et j'ai des boucles. Et il peut y avoir... le d factoriel puissance n vous donne la façon... Le 1 sur d factoriel puissance n vous donne la façon de numéroter les arêtes sortantes de chacun des sommets. Le 1 moins 1 sur d carré vous donne la probabilité que si vous prenez la proportion des appariements, tels que vous n'allez pas avoir de boucles et d'arêtes doubles, et ce nombre-là n'est rien d'autre que le nombre d'appariements possibles sur un ensemble de dn éléments. Et bien, cette formule que vous pouvez, qui est assez standard, qui est basée sur cette idée d'appariement, vous permet également de calculer directement le nombre de graphes qui ont un certain un voisinage et un nombre de couleurs sur les arêtes. Et quand vous regardez, vous comparez ce nombre-là, et vous obtenez pile poil cette inégalité. Voilà. Mais je crois que... est-ce que j'ai un point intéressant à dire pour finir? Voilà. Donc je pense que ce qui est nouveau, c'est cette histoire de processus type... Enfin, pas nouveau, ça fait quelques années qu'ils utilisent ça, mais je pense que c'est une notion très importante. Et les processus typiques qui sont reliés à ces inégalités étoiles arêtes, et ces inégalités anthropiques un peu mystérieuses pour l'instant. Je pense qu'il y aura beaucoup de travaux dans la future là-dessus. Et donc en fait, la conjecture principale, elle n'est pas encore démontrée, donc il faut démontrer qu'il n'y ait pas de perte de masse. On peut aussi espérer peut-être refaire la même chose pour l'espacement des valeurs propres lorsque vous prenez un graphe dérégulier uniforme et utiliser peut-être le même genre d'idée. Voilà, donc il y a encore pas mal de problèmes ouverts au-delà de ce théorème, mais c'est tout ce que je voulais dire. Merci.